Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, il s'est passé pas mal de choses dans ma vie ces derniers temps et je me suis dit qu'au lieu de platement vous en faire une vidéo pas hyper folle, j'allais en profiter pour m'essayer au Draw My Life. Oui, bon, je vous vois venir, c'est plus un Draw My Last Years qu'un Draw My Life, mais bon, t'as capté quoi. Il s'est donc passé plein de choses et c'est donc le moyen idéal pour vous présenter les grands bouleversements de ma vie parce que oui les gars, franchement, il y a du lourd, accrochez-vous. La dernière fois qu'on s'est vu, j'étais dans la sauce. Toujours pas de grossesse à l'horizon, c'était vraiment le gros stress. La consommation de mon mariage avec Louis était un problème immense que nous ne parvenions pas à résoudre. Du coup, l'année qui a suivi ma dernière vidéo, mon frère Joseph est venu tout droit d'Autriche pour nous rendre visite. Oui, bon, d'accord, l'Europe, je lui ai clairement manqué de respect là sur ce dessin. On va faire comme si tout était normal, ok? Je disais donc, mon frère est venu nous voir et il a voyagé sous le pseudonyme du comte de Falkenstein, car Falkenstein, voilà, merci. Car c'était officiellement une simple visite de courtoisie à titre privé, donc sans les déploiements de face et les communiqués politiques, et le pseudonyme permettait d'alléger l'étiquette qu'aurait imposé une visite officielle, même si, au fond, on va pas se mentir, personne n'était dupe, tout le monde avait très bien compris que mon frère était le comte de Falkenstein. Il est donc arrivé le 18 avril 1777 et l'idée c'était de comprendre pourquoi il n'y avait pas de bébé qui déboule dans Gameus. On a donc beaucoup discuté tous les trois, il m'a prise à l'écart, il a aussi discuté avec lui en privé, bref, il a vraiment essayé de comprendre avec nous pourquoi la conception du futur héritier était à ce point problématique. Oui, on n'a pas tourné autour du pot plus qu'il ne le fallait, on a parlé concret. Mais je vous épargne les détails. Je te mets des métaphores à la place, on fait comme ça, t'as vu? Au début, tout se passait bien entre lui et moi, mais au bout de 3 semaines, on a commencé à se rentrer dedans, l'ambiance est pas mal désagrégée, il faisait que prendre la défense de Louis, etc. Voilà, il y a eu un petit peu de l'eau dans le gaz, mais on ronge son frein du mieux qu'on peut, l'essentiel étant que la situation se débloque. Il est reparti le 30 mai, et hasard ou non, je vous laisse juger, mais les mois qui ont suivi, Louis et moi avons enfin réussi à aller au bout de notre mariage. Et la conception d'un héritier semblait enfin possible. Champagne! L'année suivante, en été 78, Fersen est revenu en France. Oh, j'étais trop contente de pouvoir le revoir. Et pour le coup, mon bonheur était absolument complet. Car j'étais enfin enceinte! Oui, enfin! Ainsi donc, quelques mois plus tard, le 20 décembre 78, je donnais naissance à une petite fille. Évidemment, tout le monde était déçu, mais la pauvre petite, ce n'était pas sa faute. Selon le souhait de ma mère qui veut que toutes les premières filles de ses enfants s'appellent comme elle, nous l'avons donc baptisée Marie-Thérèse et elle fut titrée Madame Royale. La naissance d'une fille ne m'enlevait pas la charge de produire un héritier, mais waouh, la corvée. J'étais pas du tout pressée de reprendre les relations conjugales avec Louis, ni de retomber enceinte. Entre temps, en printemps 79, j'ai contracté la rougeole, ce qui m'a donné un petit sursis, car pour mes 3 semaines de convalescence, je suis allée m'isoler à Trianon pour éviter de contaminer Louis. L'été arriva et j'étais à nouveau enceinte. Malheureusement, le soulagement fut de courte durée car je faisais une fausse couche quelques temps plus tard. Sans dauphin à l'horizon, après 10 ans de mariage, je commençais à m'inquiéter très très sérieusement. Mes ennuis n'étaient pas finis car le 29 novembre 1780, ma mère Marie-Thérèse d'Autriche mourait. Ça a été une peine immense et c'était un moment vraiment affreux. Et du coup, c'est mon frère Joseph qui a repris le pouvoir là-bas. 2 mois plus tard, j'étais à nouveau enceinte, j'espérais enfin voir le bout du tunnel et mes vœux furent exaucés car le 22 octobre 1781, je donnais naissance au dauphin Louis-Joseph. Oh là là, quelle joie, quel soulagement, c'était la fête pour tout le monde. Mon statut de reine était enfin assuré et j'avais pu prouver que j'étais capable de produire un héritier. Le chemin fut long, mais j'étais bien contente d'avoir réussi à en atteindre le bout. Voilà pour les gros événements qui ont eu lieu pour moi ces derniers temps. Je me suis dit qu'au vu de tous ces chamboulements, c'était pas de trop de vous résumer tout ça ici. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. Ça m'a bien amusé de tenter ce nouveau format, mais j'ai tout de même très hâte de vous retrouver en facecam, n'est-ce pas? D'ici là, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour découvrir ma vie à la cour en vidéo. Bisous bisous!